Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Bioshock Infinite, donc sur PC. C'est parti pour un tour. Je rappelle qu'on est en mode 1999, qui est le mode le plus difficile du jeu. Et surtout, chose très importante, j'ai déjà filmé ce jeu-là en frappe solide, donc autrement dit en solution vidéo, avec toutes les informations qu'il faut avoir sur ce dernier. Il vient de se passer un truc bizarre là. Le monsieur qui était là vient de se transformer en dame. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà, si vous voulez voir le jeu dans de meilleures conditions que les lives en question, c'est quand même plus pratique de regarder en solution vidéo. Vous voulez que je vous aide? J'avais une vraie arme avant. On peut jouer pour de vrai si vous voulez. Au pire, si jamais il y a un problème pour planquer les corps, c'est facile. La la la, wouh! Au revoir, monsieur, dame. Le voxophone. Madame Lutèce. Chocolat. J'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit que ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme. Mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations, Constance. Unisa, comment vas-tu? Ramène-nous la fille et j'effacerai les dettes en dette de chocolat. Mes dettes de chocolat? Mais je peux pas être en dette de chocolat. Quoique, vu comment j'en consomme... J'ai pas encore fini toutes mes tablettes, donc je suis pas en dessous. Mais non, Isa... Lisa! Faut qu'on change les idées du coup. Oh! Vous reconnaîtrez le faux berger à sa marque. Pourquoi j'ai un AD sur la main? Pourquoi j'ai un AD sur la main? Et personne ne l'a remarqué? Ça te dégoûte! Malgré Animal Crossing, quoi. C'est toi, Adé? On va aller voir plus loin. La clé. La clé. Trouve la clé, trouve la clé, trouve la merveilleuse clé. Encore une fois, je suis désolé, je fouille partout. Nous avons vraiment besoin de tout. Oh, un machin qui tire là-bas. Avec des caisses qui passent. Bonjour, je ne fais que prendre ça. Je suis aussi AD. Comment ça, vous êtes tous AD? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous êtes des mauvais bergers? Je crois que le jeu est en pause depuis, sérieux? Moi j'ai eu le temps d'y jouer peut-être 5-10 minutes au shot tout à l'heure. Voilà, c'est beau. C'est bien, ça rapporte ça. Moi je viens seulement débloquer la hache, je crois. Des AD. Bande de faux bergers. Nous allons devoir vous éliminer. D'autant plus que c'est pas AD, moi c'est Booker DeWitt. Monument Island fermé. Ah ouais, donc par là en fait on pouvait accéder à la statue, c'est ça? Désolé, la rue est barrée. Ok. Bon, c'est là que les choses vont commencer à se compliquer normalement. A chaque fois j'entends Saturday tarte ta gueule, un truc comme ça, comme la chanson de Souchon. La chanson de Souchon! Padam. Oui,
Alors attendez, il n'y avait pas une machine avant? Peut-être un peu trop loin, je sais plus où est-ce qu'elle était. Si, je vois là où est-ce qu'elle est, on va retourner la chercher. Parce que le pognon, c'est le pognon. Coucou Erreur, comment vas-tu? Faut arrêter la drogue à base de Persona. Tu crois? Non! Ah, j'ai plus assez de... Ah, j'ai plus assez de cristaux. Découvrez dès aujourd'hui un avant-goût de demain. Ah, oh, fais-je trompe, je voulais essayer de balancer un truc dessus. Y'a pas du vin qui traîne ou... Bon, tant pis. J'aurais dû faire ça avant. Parce que j'aurais peut-être pu récupérer du fruit supplémentaire. Bon, tant pis. On s'en va. Bonsoir Néa, comment vas-tu? C'est la base de Final Fantasy VII. Il me rend bien curieux, n'empêche, celui-ci. Encore faut-il être sûr de le recevoir. Il y en a qui l'ont depuis presque une semaine, le FF7. C'est horrible. Bon, allez, tant pis, on y va. Du chocolat! Du chocolat! Du pognon. Déclare la tombola de 1912 officiellement ouverte! Madame, madame, elles sont toutes la même tête. Pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol. Elle m'avait pas dit non. Jolie jeune fille blanche de tout Columbia. Blanche. Eh ben, quelle surprise. Numéro 77. Votre prix vous attend, première balle. Pitié. Pitié, ne fais pas ce que ça. J'avais oublié ça. Alors, vous la lancez? Ou vous aussi, vous buvez votre café bien noir? Et c'est là que tout s'écroule. Ah, mais c'est qu'on a un petit timide. Il va falloir faire quelque chose. Pour toi, vieux salopard. Attendez, lentement. La voilà. Alors c'est quoi cette marque, petit? Vous ne savez pas que ça vous désigne comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas avoir de faux bergers dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu. Allez. Non. Attention. Arrêtez-le. Faux bergers, vous défendez notre agneau. Coupez le passage. Aïe. C'est bon, j'ai tout su. C'est tout fermé. J'ai pas lancé une boule. Ils avaient dit qu'il fallait pas que je chope 77. Voilà, vous avez compris, ce pays est raciste. C'est dégueulasse. Je crois qu'ils veulent me tuer, au secours. Au secours, je me sens en danger. Ah, les cristaux. Non!
Non. Non, ils ont enlevé le pont. Hop là, une petite arme pour moi. Bon, j'ai 1200 balles, c'est bon. C'est bon. Voilà. Toi, je te récupère ensuite. Ok, on est bon. Aime le son jusque-là, c'est vrai. Mais quelle idée. Parce que c'est un goût dégueulasse. Possession assistée. Vous possédez les humains qui se suicident lorsque l'effet prend fin. Mais bien sûr. Posséder les humains qui suffisent lorsque l'effet prend fin. C'est tellement agréable. C'est dommage ce soit en anglais. Pourquoi ce sera en anglais? On peut poser des blocs au sol. Elle a fait berk. Nemesis ne fait pas ça. On l'a dit, point de tentation. Appuyez sur clic droit pour allier les machines ou des gens à votre cause. Maintenez puis relâchez clic droit pour poser un piège en possession. Attendez, on y va doucement. Chaque chose en son temps. Oh, un petit son. Je vous l'ai dit, Comstock. Vous leur vendez le paradis et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque tâche accomplie. Il n'y a pas de serviteurs dans le royaume de Dieu. Enfin, je connais quelqu'un en Géorgie qui peut nous fournir autant de prisonniers noirs que ce qu'on pourra accueillir. Vous n'aurez qu'à dire que ce sont des simples d'esprit qui cherchent la pénitence pour avoir voulu sortir du rang. Tant que ça soulage votre conscience, ma foi... On va faire le ménage comme ça, hein. Y'a rien d'autre par là? Par où est-ce qu'ils arrivent? Vous n'irez nulle part. Comment tirer 50 fois à côté? Je rappelle qu'on est dans le mode de difficulté le plus haut, hein, quand même. Donc voilà, je tiens à le dire parce que sinon on oublie. Entre nous, je sens pas trop. J'avais dit que je sentais pas. J'aurais pas dû faire comme ça, j'ai quasiment plus de vie. Ah, Telena, s'il fait remonter un tout petit peu la vie. Fouille boîte à outils. Oh, je peux les lancer les... Ouais! Des feux d'artifice! Je suis là, venez me chercher! C'est bon, j'ai tout vu? Je pense que j'ai tout vu. Le pain, on le fait maison et on y rajoute du fromage. Mais oui, mais c'est bon le pain maison. C'est meilleur que le sang? Ah oui, mais carrément. C'est un vieux goût de fer comme la bière, le sang. Il est de plus en plus près, lui. Ça va, j'ai largement assez de munitions, tout va bien. Un petit peu de vie, s'il te plaît. Hop là, un petit peu de vie aussi. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Désolé, monsieur, désolé. On me tire dessus, je répète, on me tire dessus.
Heureusement qu'ils sont aussi efficaces que moi pour tirer, hein. Ah, je vois pas assez la machine. Mais... C'est bon, je l'ai eu ? Non. Distributeur de la santé, ça aurait pas été trop mal. Munitions, sandwich. Ça c'est bon, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, tout va bien. Normalement je crois qu'on peut améliorer les armes, les pouvoirs, etc. etc. Ça va être un peu chaud quand même. Hein. Bon ça va, j'aurais déjà pu mourir ici, donc c'est déjà pas si mal. Il nous faut survivre, camarades. Ils sont où? C'est pas encore ça, les headshots, hein. Mais restez calme, il y en aura pour tout le monde, ou presque. Ça devrait bien se passer, tout va bien se passer. Bah, au pire, ce que tu fais, Nemesis, tu veux partager des photos qui sont pas forcément privées ou autres, tu peux faire clic droit sur la photo, ouvrir le lien, et puis copier le lien et l'envoyer ici. Le buisson invincible, il arrête même les balles. Ouais. Mon Columbia. J'arrive pas à orienter correctement la souris. Pas grave, je suis encore en vie. Mais non, c'est bon. Et ne parle pas comme ça, c'est pas très poli. Ok, c'est ok, c'est ok, on est bien. Je crois que j'ai un peu tout cassé quand même. Oh, bonjour, bienvenue. Je vais fouiller la caisse enregistreuse, bien sûr, et récupérer tout ce que vous avez. Autrement dit, pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Là, y a rien à prendre, c'est bon. Fouiller porte-monnaie, mais bien sûr aussi. L'ambiance a commencé à changer. Oh, bonjour. Peu d'alcool. Encore un petit peu d'alcool. Et du pognon. Bonne nuit, faudrait voir. Faites de beaux rêves, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao, bisous. Salut Lucie! Ah, ça va, c'est juste un peu, j'ai juste bu deux bouteilles. Deux seulement. En quelques secondes. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à voir là pour l'instant? Non. Fermé sur, donc c'est pour aller vers Monument Thailand, on est d'accord. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Brûlez au nom du projet! Génial. Le plus profond de l'enfer! Prends Brésil du diable. Non mais regardez-moi ces fioles. Comment elles sont jolies. Baiser du diable. Oh. On n'a qu'une vie après tout. Bac. On lui dévisse la tête, on la boit. Voilà. Coucou Tartine, comment vas-tu? Bonne nuit, faudrait encore une fois à vous deux. Ou à vous trois, ou à quatre, je sais pas. Prends la soin de vous, à la prochaine. Bisous. Ouh, Devil's Kiss. Throw a fiery grenade. Hold and release.
ça. Lorsque Basilia est équipée, appuyez sur clic droit pour lancer une grenade enflammée, maintenez clic pour poser un piège explosif. Ok. Je m'en fous, j'ai une arme. Par contre, c'est quoi déjà? C'est A. Pour changer de truc. C'est pas moi, j'ai pas foutu le feu. Je suis innocent. Bonjour, bonjour. Rien par là. Mais c'est le principe, hein, tartine du confinement. Yes. Voilà, je les récupère, les bestioles. Après, une fois qu'elles sont à moi, je les tue. Donnez-moi tout ce que vous avez. Je veux tout, absolument tout. 183 points d'argent, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, tout va bien. Alors ça, on pouvait les faire exploser aussi, je crois. Ça tombera pas, ça? Est-ce qu'on peut les... si on tire dessus, que ça explose? J'ai envie de tester, faites voir. Ça explose, ok, nickel, je le sais maintenant. Wow! Pour les gouverner tous, et dans les streams, les lier. Merci beaucoup Arnea. Merci beaucoup pour le cadeau et le soutien, tu fais plaisir. La rupture de quoi? La rupture, oui, le premier DLC qui est assez... Et Lucie Farmer, le... Avec la vie en rose, il me semble effectivement que c'est le DLC. Je la drogue, il y ressemble. Comment vas-tu, Charcine? Mais de rien, je reconnais cette petite licorne, il me semble. À moins que je la confonde. Ouais, c'est bien ce que je me disais, que ça venait de chez Pixenergy, ça. C'est beau. Elle est magnifique, sa licorne. Bah, je vais bien, écoute, je te remercie. Alors, The Blue Ribbon. Oh, mais cette ambiance, encore une fois. Oh, cette classe. Bon, à part là-bas que ça brûle, mais... Bonjour. Votre santé supplémentaire, ça ne fait pas de mal. On va rentrer. Il y a quoi derrière, là? Des munitions et des cristaux, ok. Poubelle, on a du café. Donc, vous noterez que le café donne du cristal. Et là, temps de chargement. C'est faux! Dit-il en envoyant une icône de chez Florib. Ah, les temps de chargement sont beaucoup plus courts que dans le... Que dans Bioshock. Gore et Nawak, auquel au DLC ou à celui-ci? Un peu d'alcool ne peut pas faire de mal. Fouiller rangement, un gâteau, le mec il avait un gâteau dans sa poche, tout va bien. Bon, après tu vas me dire qu'on a les moyens de mettre des gâteaux. Maintenant, dans des poches. Genre un BN, alors ça fond peut-être, mais au moins il reste le côté gâteau solide. Attends. Le Season Pass a permis d'obtenir 4 pièces d'équipement, une amélioration dorée pour la mitrailleuse, une amélioration dorée pour le pistolet. Ah oui, c'est vrai que j'avais l'édition, enfin j'ai toujours l'édition collector de Bioshock Infinite, j'oublie à chaque fois. Celui t'as pas fait le DLC était encore plus sympathique que ce jeu, je trouve. Je suis en train d'allumer le chauffage, j'ai froid.
Oh, comment ça, pas utile? Utile pour moi. J'ai pas tout comprise. Vous avez débloqué 3 pièces d'équipement, vous les trouverez au restaurant Blue Ribbon. Écoute, l'important, c'est que tu te sentes mieux. Qu'importe les lives. Vous devez récupérer toutes les récompenses avant de rejoindre Monument Island. Reprendre point de contrôle, je sais même plus comment on fait. Non. Je vous l'ai dit. Non. Comme Stock. Vous leur vendez le paradis et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque... tâche accomplie. Il n'y a pas de serviteurs dans le royaume de Dieu. Enfin. Ah, ils sont là. Je connais quelqu'un en Géorgie qui peut nous fournir autant de prisonniers noirs que ce qu'on pourra accueillir. Tant pis, on va. N'aurait qu'à dire que ce soit. C'est bon, c'est l'arrêté. Look back at opening day. S'envole enfin. Et les sous-titres sont tout petits, tout petits, tout petits en bas. Ça me dit que j'ai plus grand chose à grignoter en fait. Simple d'esprit qui cherche la pénitence pour avoir voulu sortir du rang. La parole du prophète présente, le prophète résistera à l'ennemi où qu'il se cache. Les boxeurs de Pékin prennent en otage d'innocents africains. Américains, pardon. Africains. Nawa Kitty. Le prophète est Columbia, prêt à défendre l'Amérique. Notre prophète. Quel remerciement pour Columbia! Arrêtez, Washington, Comstock, arrêtez! Ok. Tous derrière le prophète! Quelle barbe, monsieur, quelle barbe! Oh, que ça soulage votre conscience, ma foi! Nous faisons cession de cette prétendue union. Une production, hein, une Amérique de lâches rappelle à elle sa plus belle ville. Non merci, répond le prophète, nous sommes très bien sans vous. Columbia fait sécession et disparaît dans les nuages. Donc Columbia existait déjà avant. Ok, alors là c'est toutes mes améliorations, voire équipements. L'équipement vous procure des compétences uniques. Vous ne pouvez emporter que 4 pièces à la fois. Une par type. Gérez votre équipement depuis le menu du jeu. Alors, soldat fantôme. En tuant un ennemi avec un piège de tonique, son arme a 70% de chance de se transformer en allié fantomatique pendant quelques secondes. Prendre équipement. Non, en effet. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Nous étions déjà là. Et vous? Pourquoi nous suivez-vous? Un apéritif? J'arrive, madame. Voir équipement. 110% de chance d'étourdir un ennemi au corps à corps. La victime est vulnérable pendant 4 secondes. Prendre équipement. Augmente les dégâts de vos armes de 50% sur l'aérotrame. Prendre équipement. Augmente la taille du chargeur de toutes vos armes de 75%. Prendre équipement. Ah, mais toutes ces fioles qu'il y a. Vous repoussez les ennemis que vous attaquez au corps à corps. Lorsque vous tuez un humain possédé, il explose. Ennemis à proximité subissent 360 points de dégâts. Ça peut être utile éventuellement. Lorsque vous trouvez des vexophones, vous gagnez également des aigles d'argent. Du pognon. Le pognon, c'est toujours important. Donc c'est où que j'équipe? Alors, infusion de santé, infusion de bouclier, infusion de cristaux. Augmente la quantité de cristaux que vous pouvez transporter. Le bouclier, ça pourrait être pratique en fait au départ. Parce qu'on est quand même en mode 1999, je vais prendre pas mal de dégâts. Les jumeaux sont extra, ouais, les frères Lutès. Enfin, les frères et sœurs Lutès. Enfin, frères et sœurs. Non, les Lutès, on va les appeler, c'est plus compliqué que ça. Faire un choix d'univers dystopique ou utopique dans le cas... Pour le cas de Columbia, enfin, hein, où tu choisirais quoi entre l'univers de Wolfenstein ou de Bioshock? Je choisirais pas, je prendrais les deux. Si je devais faire un choix, je choisirais pas, je prendrais les deux. Je choisirais le troisième choix. Il y a toujours un troisième choix. Celui qui ne nous est pas proposé.
Mais la vie aussi, je vais monter, mais j'ai quand même pas mal de bonus. T'es morte ou t'es KO? Merci pour les munitions. Du pognon. Alors, vie. Voilà. Je vais montrer bien ça aussi. Je sais plus comment j'y jouais à jeu si j'utilisais énormément les systèmes de pouvoir ou pas. J'arrive plus à m'en souvenir. Non mais regardez-moi ce cochon extraordinaire. Du pognon. C'est pas ça que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Oh. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. De quoi puis-je vous débarrasser là-dedans? Ça, de l'eau chaude. L'aventure est suffisamment difficile sans perdre vos amis. Ni vos munitions. Attends, c'est... Ah non, mais je suis encore à fond de munitions, c'est bon. Là, il en reste deux autres. Punaise, en fait, il te facilitait vachement la tâche quand t'avais le pass. Oh, cette vue n'empêche. C'est archi classe. Bonjour. Tu entreras dans le jeu, tu t'en souviens comme ça, toi? Tu dirais un truc du genre. Pourquoi choisir? Oui, j'ai déjà fait Lucie, j'ai déjà fait en frappe Solus. C'est-à-dire que j'ai fait en solution vidéo. Ah, ça pique. Ah, ce qu'on va pas mal déguster quand même en termes de vie. Ah mais elle me donne forcément du bouclier. Ah, j'aurais dû prendre de la vie. Plutôt, bon c'est pas grave, j'aurais du bouclier en plus. Et je crois que quand on arrive là, en fait, cette salle-là est vide quand on n'a pas le Season Pass. Bonjour Monsieur Lutèce. Bonjour Madame Lutèce. J'aime bien les visages dans le jeu. Je trouve ça joli. C'est bien possible, ouais, Lucie. Toc toc. Toc, toc. J'ai déjà fait une première fois en Solus, donc c'est-à-dire que c'est pas ma première game. Je l'ai fait à la sortie en solution vidéo, c'est-à-dire que j'ai tout filmé, j'ai montré où étaient les objets, etc. etc. Là, c'est juste pour le plaisir d'y retourner. Ajoute un champ magnétique à répulsion pour améliorer votre défense. Bon, vous voyez le principe. Et voilà. Surprenant. Surprenant que ça fonctionne. Surprenant qu'il soit toujours en vie. Mais un champ magnétique à répulsion autour de soi peut s'avérer pratique. Si déjà ça ne te tue pas. C'est très vrai. Oh, ces persos. Avec la musique en fonce en plus, c'est classe. C'est vraiment classe. Alors là, on récupère, là on récupère. Le père Comstock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi. Je suis chargé de rédiger sa biographie. Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir, mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors je lui dis, mon père, vos ouailles paieraient pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins? Alors, le prophète m'a regardé et il a répondu, 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. Ah non, mais le jeu est très raciste, Sky, je sais exprès. Hein. Je t'ai dit bonjour, Sky, je sais plus.
Il y a un... Graphiquement, il vieillit pas trop. Il est pas assez réaliste pour que ça vieillisse mal, en fait, rapidement. L'empêche, pour les gens qui ont le vertige, vivre ici, ça doit pas être super pratique, hein. On sait qu'il y a des gens au-dessus, là. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Petit rappel. On va essayer de se remettre un petit peu droit pour se rasseoir correctement. Ça, on l'a déjà fait. D'accord. On les a déjà fait, Cyril. Je les avais filmés à l'époque. Les Bioshock, on les a refait en live il n'y a pas si longtemps. Oh hey, ce truc doit être aimanté. C'est pas rassurant. Je crois que je peux essayer de choper les trois choses ici, non? Même attaquer les gens qui sont là, là. Je crois que c'est mon but. Oh, une nouvelle arme. Je crois qu'ils m'ont vu. Ma vie. C'est donc ça la fameuse arme fantomatique. C'est quand même bien pratique, hein. Je crois qu'il y en a encore dans le coin. Faut que je fasse attention encore une fois. On joue dans un mode de difficulté élevé, donc... Le mec, il jette de l'argent à la poubelle. Il jette de l'argent à la poubelle. Mais d'où viennent ces gens? Si tu le dis, chérie. Aïe. Attends que ça remonte. De quoi? Ah, est-ce que t'as, plus t'as mis ton message en avant, Nemesis, c'est gentil. Toc 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 toc. Pas de soucis, Charcy. Je t'ai pas dit bonjour, j'avais les chocolats. Eh ben écoute, bonjour à toi en retard alors, je suis désolé. Pardon. On va voir Bioshock en direct avec vous les gens. Non mais faut pas... Les frappes solides, c'est vrai que ça pourrait être sympa, mais pour ceux qui aiment ça en fait.
Bonne nuit, Néa. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Et à la prochaine, ciao, bisous. Merci encore pour ton cadeau et prends soin de toi, encore une fois, c'est important. Merci beaucoup, Rio. Un beat pour les gouverner tous et dans les streams les lier. Merci beaucoup pour le cadeau, tu fais plaisir. C'est gentil, même. T'as moi l'impression qu'il va toujours à côté. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Cristaux, j'ai assez. Fouiller ça, qu'il n'y a rien dedans. Pratique le bouclier pour éviter de perdre trop de vie. Hein. Je crois qu'ils sont de l'autre côté là. Alors, encore une fois, on n'oublie pas de tout fouiller pour être sûr de récupérer un maximum d'éléments. On est bon, on est ok. Je sais plus s'il m'est possible de sauter là-dessus. Une balle pour enlever le casque, une balle pour le tuer. C'est bon. Les choses se passent pas si mal. Y'a pas moyen de monter là par là ? Ah bon ? Dis-moi tout. Ce qui est rigolo, c'est que les cordes disparaissent, au bout d'un moment ils laissent des caisses. Bon, le mec descend. Y'a encore une machine qui peut me tirer dessus par ici. C'est pas bon signe. Bon, on va laisser s'amuser entre eux. Ils ont mieux à faire. Alors, là on a quoi? On a une petite trousse de soins, ça peut être utile. Il me semblait que les trousses de soins fonctionnaient comme dans Bioshock, c'est-à-dire qu'on pouvait les utiliser. Saleté qui m'a tapé. Ah ça y est, c'est fini. Ça a rechangé les lignes d'adversaire. Bonne nuit Léo. Repose-toi bien, prends soin de toi la porcelaine. Ah non, c'est toi qui t'en vas. Mais non, c'est pas Léo qui s'en va, c'est Odd. Tu nous abandonnes déjà. Oh. Bon. Tu m'as dit que cette semaine, il y aurait des lives, non? Ou c'est la semaine prochaine, je sais plus. Je compte sur toi. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est bon. Prends soin de toi, en tout cas. Fais de beaux rêves. Bon courage pour le boulot. Et à bientôt, j'espère. C'est bon. Tir en rafale 50-150. Ah, ça se prouve que j'utilisais très peu ces armes-là. On a les choses à récupérer par ici ou non? Les samedis matins, d'accord. Bah écoute, bon courage, quoi qu'il arrive pour le boulot. Et les restes. Bisous. À la prochaine. Alors, on va où on va ensuite? Dès que j'évite de tomber dans le vide quand même, ce serait dommage de mourir bêtement. J'ai tout ramassé, on est d'accord, hein, je voulais rien. On va dire que c'est bon, je voulais rien, on va partir par là-bas. De quoi? Comment ça, malheureusement, je ne suis pas une femme, tu aimerais? Pom, 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 pom. Je crois que j'en ai raté pom, deux en plus. Pom. Bonne nuit, les petits. Voilà le premier. Et là, le second. Pom, 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 c'est bon, pom. Je suis.
Bonne nuit, les petits. D'accord. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Toc, hop là. Bonjour. Là, ça passe pas. Par contre, les textures sont un peu dégueulasses, vu de près, hein, comparé à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est pas grave, le jeu est quand même joli. Na. J'ai cru que j'allais tomber parce que j'ai pas sauté. Ne cédez pas à la panique, priez. D'accord. Bonjour. Oui, je suis entré, c'est le but, merci. Du coup, si on n'avait pas récupéré Brasier à ce moment-là, on peut le récupérer ici. Si jamais vous en ratez les éléments, des fois ils sont à vendre et des fois vous pouvez les récupérer. Explorons un peu la maison. Ne laissons pas passer ça, même les intérieurs sont jolis. Oh, comment c'était classe ce jeu! Voxophone. Otus travaille à la loge à mi-temps. Il a pris cette boîte au cours d'une de leurs cérémonies secrètes, et je sais qu'elle renferme quelque chose de valeur. Le problème, c'est qu'Otus est un imbécile. Il n'a pas cru bon de prendre une clé ou frère à plumes pour ouvrir ce truc. Je suis progressiste, moi. Tu sais, le mec, il voit un gars armé débarquer chez lui, et non, moi c'est bon, je suis progressiste, je suis de votre côté. Lingot d'argent, et le mec, on pille sa maison, mais tout va bien, quoi. Je te laisse tranquille. Je ne te tuerai point. Et c'est là qu'à peine sorti, il appelle les flics, il me dit « Oui, machin !» Fermé. Il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Repérer la clé permettant d'ouvrir ce coffre. Sauf que les objets ne sont pas en surbrillance. Et je sais plus où est-ce que j'ai l'occasion de récupérer une clé. Si elle est loin ou pas, ou... On va couper les éviers quand même. Je peux tirer la chasse. T'imagines, même dans les jeux vidéo, on peut faire certaines choses que d'autres ne savent pas faire. C'est quand même beau. J'ai oublié à t'attendre. Ah mais ça c'est bon ça. J'ai des goûts bizarres. Mais c'est parce qu'en fait elle existe déjà toute seule, Tatankul. C'est Tatankul Kamalar. Un père et son gamin. Outils et toilettes, oui. Effectivement, car tout le monde pouvait. Je me souviens pas comment ils agissent les paysans dans The Witcher 3. Attends, est-ce qu'il sait où est la... Est-ce qu'il sait où il y aurait une clé? Non. Parce que là, j'ai pas les objets en surbrillance. Donc si je sais pas où ils sont, je sais pas où ils sont. Y a rien qui se mettra en surbrillance pour me les montrer. Parce que dans le jeu d'origine, on a une option pour nous montrer le chemin, nous guider, qui n'est pas disponible dans ce mode de difficulté. Parce que normalement, on n'est pas censé y accéder par les tablettes de Choco. On n'est pas censé y accéder si facilement à ce mode-là. Normalement, en fait, le mode 1999, on doit le débloquer en ayant fait le jeu une première fois. Mais il existe donc le Konami Code qui permet, il me semble, de débloquer ce mode sans l'avoir terminé une seule fois. Et c'est ce que j'avais fait pour la frappe Solus, en fait. Je sais pas si la clé, je la récupère pas comme plus loin. Quoique, quelque part, j'ai le guide stratégique. Est-ce que ça vaut le coup d'aller regarder? Est-ce que ce serait pas un peu de la tricherie?
le dialogue in stratégique. J'ai un peu l'impression que si, quand même. J'avais pu voir un truc à activer. Ça va, je suis pas trop fatigué. Fatigué, mais pas trop. Il y a du vide. On ne verra rien. Comment ça, vous ne verrez rien? On ferme les yeux. Attends, on va quand même aller voir. Parce qu'il était beau, il me semble, guide stratégique dans mes souvenirs. Cher guide stratégique, viens ici. Est-ce que je peux te récupérer sans tout péter? Ça, ça va être plus compliqué par contre. Aïe! Waïe! Iti! Putain! Je me suis cassé un ongle et bien quoi. Ah non, il s'est bien retourné, c'est tout. Les deux même. Non, te casse pas toi. Attends. Pas pratique à retirer. J'ai juste envie de voir s'ils en parlent de ça. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un effet brillant sur le truc. J'avais oublié ce détail. Je pense qu'ils vieillissent moins bien que d'autres. Alors attendez. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Est-ce que par rapport au coffre, il y a un truc de marqué quelque part? Mais ça, c'est différentes vigueurs. Scavengers, on s'en fout. The Welcome Center, ça on avait récupéré. Il y a peut-être des trucs que j'ai ratés, n'empêche, ici. Je pense. Déjà. Non, ça je l'avais pris, ça je l'avais pris. En fait, on a les cartes comme ça, vous voyez. Dans le guide stratégique. Avec les infos. Tu nous abandonnes déjà, le Kofi. Bon, bah peut-être à demain matin. On vient toujours voir un petit peu ce que tu fais, quand même, le matin. Non... Attendez, c'est par là. C'est après ça. Donc le problème, c'est qu'ils nous disent, ils nous disent pas. What's the fun? Ah ouais, ils parlent de la clé plus tard. Voilà, donc c'est bien plus tard en fait le code. C'est ça que je voulais vérifier, c'est bien bien plus tard. Voilà. Bah oui, je vais devoir live comme un fou le FFD demain. Pour ne pas trop me faire spoil. Oh. Quelle idée. Et il y a un Bonne Nuit qui sort. Attendez. Voilà. Pom 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 pom. Ah bon, il est sorti. Non mais c'est parce qu'en fait il est c'est pas lui qui bouge, c'est ce bâtiment là. Qui arrête pas de bouger. Hop là, et on y retourne. Bon, on s'en fout, on saute comme ça pour commencer. Sérieux? Pourquoi j'ai perdu autant de vie d'un coup, là? Mais quelle est cette arnaque? On va tirer le crochet, je pense. Hein. J'ai perdu toute ma vie, j'ai même pas compris pourquoi. Quelle est cette arnaque? Je demande une explication concrète, logique. Oh, une barre de chocolat vient me sauver la vie. Ou presque. Manger les pommes, qui disait. Manger des pommes. Tu vois, tout qui flotte, tout qui bouge. Les bâtiments montent et descendent. Ce qui, du coup, assez perturbant, parce que des fois, tu sais pas si c'est toi qui bouge ou si c'est les autres. Là, par exemple, quand tu regardes, tu sais pas si c'est toi qui monte ou si c'est lui qui descend. Et ainsi de suite. Après, Persona 5 Royal. Ah, Persona 5 Royal. J'avoue que le 2 me tente, mais comme je me suis acheté Animal Crossing... La violence est inutile. J'ai beau soutenir sa cause et son peuple. Je ne veux pas voir le sang couler. La violence n'est jamais inévitable. C'est lui, le type qu'ils poursuivent. Filez, ils vous cherchent partout. Police, nous avons besoin de votre aide. Ils sont là.
Chut, ne parle pas si fort. Allez, on continue. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que vous piller. Tout se passera bien en dehors de ça. De toute façon, c'est pas à vous. Ah non, c'est parce que je peux lire. J'ai un machin bleu par ici, mais non, c'était l'ombre. Une réunion des amis des Noirs de Columbia, intitulée « Le sermon du pasteur Atkins. Nous ne serons pas égaux tant que les Noirs ne le seront pas. » Enfin, les gens bien. Enfin, je crois avoir compris. Bonjour. Fouiller bureau. Là, y a rien. Trousse de soins. Ah bah, ça tombait bien, j'en avais besoin, tiens. C'est pratique, ces portes automatiques, non pas. Je veux bien les mêmes chez moi, ou pas. Ou pas, en fait, je crois que c'est mon bureau, dans. Regardez-moi cette ambiance. C'est type à classe. Sur quoi j'appuie? Là. Kleptoman Simulator. Mais il y a un jeu justement, Sim Simulator, qui existe là-dessus. Où tu dois faire du repérage, des baraques, etc. et cambrioler ensuite. Comme ça, si t'as envie de t'entraîner pour la vraie vie, tu peux toujours essayer. Non, toi, j'ai pas envie de te voir tout de suite. Portefeuille, je fouille. Cigarette, fouiller sac, ok. Est-ce qu'il pourrait manquer les éléments? C'est pas encore tout de suite, j'ai l'impression. Là, il y en a. On est où en tant que sortie? Bonjour copain. Ça le fait, ça le fait. Le son est fort quand même. Ils explosent toujours un peu fort à la fin. C'est dommage. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup ou pas? Ah, ils ont explosé ça là-bas. Me graisser les rouages. Je vise pas assez bien du tout. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Wild West Show. Preston Downs, Game Hunter of Legend. Donc c'est un spectacle avec une maison qui brûle, c'est ça? Je sais pas d'où ça sort. Ah! Comstock est arrivé au wagon à l'aube. Il était fasciné par ma collection de scalps.
Il m'a posé des questions sur les scalps blancs. Je lui ai expliqué, vous voyez, chef, si votre proie s'aventure dans la jungle et fraye avec la faune locale, est-ce que ça vaut la peine de faire preuve de pitié? Ça n'a pas fait sourire. Soit il n'a pas compris de quoi je parlais, soit il le savait que trop bien. Enfin, maintenant, il veut que je traque une dénommée Daisy Fitzroy pour lui. J'espère qu'il n'attend pas de moi que je la lui rapporte empaillée. Et pourquoi pas, empaillant des humains, ça pourrait être rigolo. Je suis sûr que des gens y ont pensé plus tôt. Ah non, c'est lui là-bas que je vois. Réécrite, c'est ça, je me souviens plus. En fait, c'est une dystopie. C'est-à-dire que c'est un monde à part. Je sais pas comment on peut expliquer ça exactement. En gros, on part du principe que ça se passe en 1912 et que les gens ont installé une ville utopique dans les airs. Donc c'est un peu lié quand même à l'histoire. Il y a, je crois qu'il y a un peu de différentes... comment dire, je crois qu'il y a différents éléments historiques quand même dans le jeu. Je saurais plus te citer lesquels, mais c'est ancré dans le monde réel. Ça c'est bon, j'avais balancé. Et oui, j'avais fait un Konami code pour entrer au... pour avoir le... l'accès au mode 1999 dès le début. C'est pas ça qu'il me faut. Je vais rien prendre. Je sais pas trop où est-ce que je vais aller pour le coup. Parce que je me demande si le coffre est pas quelque part dans un des bâtiments. Voilà, il est dans ce bâtiment là. Et après il faut que je fasse demi-tour pour retourner ouvrir l'ancien coffre. Il y a tout qui est parti. Et j'oublie à chaque fois que je peux tirer sur les feux d'artifice pour éliminer mes ennemis. Ce qui n'est, il faut le dire, pas très malin de ma part. On va essayer de faire mieux. Quasi même sûr que ça a déjà été fait d'empailler un humain. Alors, je sais qu'à une époque, il y avait une exposition assez dégueulasse de cadavres transformés. Je sais plus comment elle s'appelle. J'en parle souvent. Avec des prisonniers chinois condamnés à mort, donc on a gardé le corps et en fait on nous a fait les écorcher vifs. Enfin pas vifs, justement des écorchés tout court. Comme on a dans les... C'est-à-dire qu'on les a transformés en état... on les a mis à l'état solide et on a enlevé des parties, il reste que les vaisseaux sanguins, ou alors on aura éclaté, découpé le crâne en plusieurs morceaux, en tranches, pour pouvoir voir dans tous les sens. Et il y avait eu l'exposition à Paris qui était passée. C'est bon, j'ai tout vu? Je sais plus comment elle s'appelait. Ils étaient moins vifs, c'est sûr. Mais je me rappelle plus comment c'était ce passage-là. Attends, mais si je vais là, c'est pas fermé ici après? Non, c'est bon, c'est bon. Oh! Oh! J'aime bien ces statues. J'aime bien les statues. Comstock, donc le prophète qui bat le serpent des nations avec sûrement... ça serait juif, ça? Chinois... et avec un os dans la bouche, forcément. Le serpent des nations. Une hydre à trois têtes. Enfin, un os dans le nez. Ah, oh, ce bâtiment. J'aime tellement ce type d'ambiance. Je trouve ça tellement classe. Ah, il y a un petit... hop là, ça en prend. Merci. J'en aurais bien tué, hein. Juste pour voir ce que ça faisait. Mais je sais plus comment elle s'appelait cette... que seconde, je voulais voir un truc et j'ai oublié ce que je voulais voir. C'est ça qui est le plus terrible. Je voulais vous montrer quelque chose et j'ai oublié entre temps. John... Wilkes Booth. Les oiseaux lui ont un peu schtroumpfé dessus. Je
ma vie. Efficacité, on vous le dira jamais assez. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour rester ici, eux. Et lorsque l'ange Columbia a donné aux fondateurs les outils pour bâtir leur nouvel Éden, ils se sont mis à la tâche sans hésiter. Pendant 85 années, ils ont travaillé dans le respect du Seigneur. Mais lorsque le grand hérétique est arrivé, il a amené la guerre. Et les champs de l'Éden se sont retrouvés gorgés du sang de leurs frères. La seule émancipation qu'ils pouvaient leur offrir était la mort. Oh, ils les ont plus. Voilà, à une époque, je vous montre ça vite fait, voilà, ils avaient fait les bouteilles, vous voyez, comme ça, avec des vraies boîtes et tout, des différents pouvoirs, sauf qu'elles coûtaient je sais plus combien d'euros ou de dollars, c'était impressionnant, mais c'était très joli leur bouteille, hein, n'empêche. Voilà, par exemple, celle-ci, mais je sais plus comment ils les vendaient, mais je trouvais ça magnifique. Qu'il l'ait fait, voilà, il y en a eu 500, et je crois que c'était de l'ordre de 300, 400, un truc dans le genre, par bouteille. Vous voyez? Mais quand t'as ça chez toi, c'est quand même vachement classe. C'est la chose qu'on pourrait prendre plaisir à exposer. The Mother of Crows. Voilà, le site n'est plus accessible. Ils ont fermé boutique, c'est quand même dommage. Mais je sais qu'il a coûté hyper cher. C'est ça que je voulais montrer tout à l'heure auquel je pensais. La bouteille du diable. De quoi? Attends. Ils étaient moins vifs. Son mari, c'est bizarre ça. Parce que normalement, c'est pas normal ça que ça arrive. Puisque normalement, les corps en fait sont des corps de condamnés à mort à la base. Et en fait, on leur laissait le choix. C'est en gros, soit tu acceptes que ton corps soit utilisé pour faire ce genre de choses, et dans ce cas-là, ta famille aura une rémunération. En échange, après ta mort, soit tu n'acceptes pas, il n'y aura rien, quoi, du tout. Donc la plupart des gens acceptaient. Pour que leur famille possède quelque chose, en fait. Ou ait de l'argent. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionnait, hein, mais je suis vraiment pas sûr de ce que je raconte. Comme on dit, entre ce qu'on... Ah, mais cette ambiance... Ça va, la bouffe? C'est quoi? Pas trop ce que c'est, tout ça, hein. Cigarette, je prends pas. On dirait un lapin qu'ils ont bouffé. Oh, le festin. On a l'impression que c'est un monsieur qui est en train de tuer Batman. Isa, si t'es encore là, t'as craqué pour Disney Plus? Ou pas
Est-ce que c'est pas le meurtre d'Abraham Lincoln, ça? Bon, je crois qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de plus à voir par ici. I am Batman, ou pas? Peut-être pas eu son argent. Ah bon? On n'y voit rien. Alors, le prophète nous fit entrer dans Pékin, où nous trouvâmes à la Sodome inférieure la vraie mission confiée par nos fondateurs. Et quand les mandarins et les hypocrites de Washington le trahirent, notre prophète ne céda pas. Il ne va pas implorer leur pardon. Comme nos pères se distancièrent du grand hérétique, notre prophète quitta ses prétendus patriotes et aujourd'hui, nous célébrons ensemble cette sécession. Pour des gens chez qui j'ai un peu déchargé mes munitions, Enfin, sur qui? Il est où le monsieur là qui avec ses corbeaux? Je vois pas. Je l'ai tué ou pas? Tirer sans arrêt, comment ça tirer sans arrêt? Ok. Merci. Du conseil. Ouais. Je l'ai eu ou pas? Non. Je l'ai eu. Ils sont fous, ils sont fous. Et où le monsieur Corbeau? Monsieur Corbeau? Bon, j'en avais quand même tué un ou deux. J'en avais quand même tué un, au moins un. Il y en a un qui s'est barré par là. La fameuse clé. Les objectifs secondaires vous donnent la possibilité de trouver les ressources de valeur. Retournez visiter les lieux déjà explorés pour trouver la serrure correspondant à cette clé. Je me dis que si le bouclier pète pas, en fait, j'ai pas besoin de forcément beaucoup plus de vie. Bonne nuit, K2. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Moi, j'ai craqué direct. J'ai régulièrement réactualisé la page et je l'ai pris dès que j'ai pu. Couscousonote. Comment vas-tu, le Chilien? J'ai pas résisté une seule seconde, en fait. Pile ce qu'il me fallait. Bon, j'ai eu tout le monde. Celui qui était avec le corbeau là, il est parti où? Je l'aurais vraiment tué? Sérieux? Ou je l'ai pas affronté tout de suite et je l'affronterai plus tard? M'en souviens plus. Tout ceci me perturbe. Avec le livre des lois, les 10 commandements. C'est tellement religieux leur truc. Le saint patron, défense, découverte, la foi. Et le wisdom, c'est quoi? Je me souviens plus, wisdom. Regardez-moi toutes ces caricatures de gens en dessous. De quoi le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les noirs? Du pain quotidien,
de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs toits. Et qu'ont-ils fait de cette liberté? Allez visiter Fington, et vous le constaterez par vous-même. Aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est notre fardeau que de prendre soin du reste de la création. Tant d'amour dans un discours, oh c'est beau. Ça rend détestable hein, comme sac. Heureux, crime. C'est bon? C'est pas passé loin là, hein? Une mort certaine. Et lui, à chaque fois, j'ai envie de lui tirer dessus. Pardon. Pardon. Mais c'est pour ça que je me suis désabonné de Netflix. Il y a fort longtemps maintenant. Et j'ai pris Disney Plus parce qu'il y a sur Disney Plus, il y a la bande à Picsou. Il y a tout plein de vieux dessins animés. Il y a. Ah, comment ça s'appelle là le. Ce dessin animé Gravity Falls. J'étais curieux de voir. Je trouve ça sympa sans être extraordinaire, Gravity Falls, mais j'aime bien. Bonne nuit, Sky Joe. Hey, salut, staff, comment vas-tu? Ah, oh, du pouvoir. Et plus que 24 heures pour jouer FF7. Bah ça roule, écoute, de mon côté. Aïe. Peut-être pas vraiment envie de bosser. Mais quelle idée de vouloir travailler aussi. Ne travaille pas. Et donc oui, bonne nuit Skyjo. Et bon courage pour l'attente. Prends soin de toi et à la prochaine. Alors, infusion de bouclier augmente la quantité de cristaux que vous pouvez transporter. J'hésite. On va augmenter un peu les cristaux. Qu'on puisse lancer plus d'attaques sans se poser de questions. Comme ça, on sera mieux. Par contre, j'ai tellement plus de vie. Ça sent pas bon, cette histoire. Non, non, c'est la deuxième fois que je l'ai déjà fait en frappe absolue. Pour Frodon. Oh! Yeah, baby! Merci beaucoup, le double! Bienvenue à tes 33 passagers! Tac, 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 on distribue les points. Ah non, attendez, faut pas que je fasse comme ça. 330, chat, hop là! En fait, pour la, plus que pour la seconde fois, parce que j'avais déjà passé 80 heures sur le jeu pour le filmer à l'époque. Donc c'est-à-dire que là, enfin j'avais déjà passé du temps dessus, beaucoup. Avec le double. Comment vas-tu? Bienvenue en ces lieux. Qu'est-ce que tu faisais de beau? Waouh. Coucou Shopee Gamer Girl, comment vas-tu? Donc on joue dans le niveau de difficulté le plus élevé hein, pour l'instant. On est en mode 1999 qui n'est normalement pas accessible lors de la première session de jeu, mais que vous pouvez quand même avoir via le code, Konami Code je crois, en tout début de partie. Si vous tapez le Konami Code, vous avez un petit bonus qui vous permet d'attaquer directement via cette difficulté là. Sur FIFA 2000, ça fait un peu loin ça non? Ton pseudo me rappelle un vieux pseudo de WF. Il y a fort fort longtemps dans un autre monde où Dailymotion était encore actif. Salut Mounia, comment vas-tu?
Alors, donc comme je dis, on est sur Bioshock Infinite, ce n'est pas la première fois que je le fais. J'ai déjà terminé il y a fort longtemps à la sortie, où j'avais filmé en intégralité, c'est-à-dire avec tous les bonus à ramasser, genre de choses, etc., etc. Et là, je suis en train de le refaire pour le plaisir. On n'a pas la station. Bon, là on est bon. Ça on a fait. J'ai ouvert le coffre. On peut se barrer. Vas-y, toi. Tous les jeux sortis sur PS1 en Europe. Ah. 162, et t'as commencé, tu les fais par ordre alphabétique ou tu les commences par tu les fais par Après 13h cet après-midi, le voyou qu'on soupçonne d'appartenir à la Vox Populi a lancé une attaque violente. Les choses ont vite dégénéré. En proie à la plus grande haine, l'anarchiste a cruellement blessé un groupe de pacificateurs de Columbia avant de s'armer et de décharger son arme sur une foule d'honnêtes visiteurs. À l'heure où je vous parle, on le considère coupable d'avoir causé le décès prématuré de 8 citoyens parfaitement vertueux de Columbia. Cet homme est terriblement dangereux et mal intentionné, et nous vous supplions de ne pas tenter le diable en le provoquant sans aucun soutien. Et maintenant, parle de moi. Revenons à la musique. Oui, la musique. Un mec au hasard, d'accord. Et t'as déjà fait les gros noms de la console. Tout ce qui est Metal Gear Solid, les Final Fantasy, ce genre de choses. Putain, ça va être long quand même pour certains jeux. On m'a déjà parlé d'Alundra par exemple. C'est à d'où je viens ça ou c'est... Ouais, c'est à d'où je viens. Les Raz Moquette, tout ça. Ça va bien Mounia, merci. Du-du-du-du. Bienvenue à toi, oui, toi qui viens de t'abonner. Merci beaucoup le double, bienvenue parmi nous, bienvenue dans la bulle, installe-toi confortablement, en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Toc. Olemus Patria Nostra Defendere. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Enfin, aucune idée, nous engageons peut-être à défendre notre patrie. Ça s'appelle avoir chaud au doigt. Race. Oh, toi, attends. Faut qu'on discute. Viens là. Du pognon. Du pognon. Du pognon. Besoin de rien. Envie de toi. Donc oui, ça, j'ai craqué direct pour Disney+. C'est vrai que ça fait déjà un paquet de jeux 162. Tu es un vieux con, mais comme nous tous, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne? Bah si s'engager à finir tous les jeux PlayStation, oui. Il y a des chances pour que ce soit beaucoup de vieux jeux. Bah, il voit un passage secret ici. Ah. Cette musique. Par contre, il me faudrait vraiment de la vie. Là, je perds les cristaux. Là, il y a encore un corbeau. On va aller voir par là-bas. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Et des fois, je trouve le jeu quand même assez sombre. Au début, j'avais presque envie de me plaindre qu'il n'y avait pas assez de luminosité. Enfin, qu'il y avait trop de luminosité, puisqu'on n'avait pas de noir. Là, quand même, c'est assez sombre. Sainte Mère de Columbia, pourquoi vénérons-nous trois symboles en votre honneur? Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil parce qu'il représente le poids de notre échec.
c'est l'alcool. Donc c'est bon. Donc t'as un vieux de la vieille. Toi aussi. Alors, toc, toc, toc. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Alors. Oh, je sais pas si vous avez fait. À chaque fois que je vois un globe, maintenant, ça me fait penser à Batman Arkham VR. Le jeu en réalité virtuelle, là. Ou même Half-Life Alyx, quand tu sais, quand tu fais tourner les globes comme ça et que tu joues. 3DO, entre autres. Mais t'avais le même pseudo ? Parce que je me souviens de quelqu'un qui s'appelait WF à une époque. Alors, nouvel équipement pantalon recharge d'aérotram. Votre arme se recharge lorsque vous sautez sur l'aérotram ou vous en descendez. Alors, on va juste prendre l'équipement sans l'équiper. Ça m'intéresse pas plus que ça. Les mecs, ils avaient quand même une prison dans leur base. Hein. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Avec de quoi le traîner. Pour l'emmener ailleurs. Et lui faire le plaisir de découvrir d'autres choses. Il y a quoi là-dedans ? Non, bah attends. Toi, on s'en fout. Non. Non. Alors, quoi ? Alimente. Ah, bon, oh, ça va trop vite. J'ai pas le temps de lire. Pourquoi vous faites ça ? J'ai juste retrouvé ma famille. Attention ! Le son n'est pas bien. Le son n'est pas bien. Comment dire ? Ou alors je me suis trompé, j'ai mal mis mes écouteurs. Non, pourtant c'est bon. Comment ça se fait ? Crime. Oui, exactement. Le savoir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la rediffusion ici. Enregistrement pour YouTube. J'espère que celui-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestesjeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion d'ici quelques secondes. Voilà. Fais gaffe au corbeau. Oui. Mais regardez-moi encore cette ambiance. Ce jeu était tellement cool artistiquement parlant. Bref, à tout de suite, je reviens.